Salut à tous, c'est Metakai, je fais une petite vidéo explicative sur la chasse à l'œuf améliorée, à savoir une utilisation du glitch grenat sur troisième génération pour chasser déjà des œufs plus rapidement et aussi chasser en fait tous les Pokémon non reproductibles, c'est-à-dire les gens Jirachi, Celebi, Mew, Deoxys, Ho-Oh, Lugia, bon, les Arbi, les Pokémon glitch, mais surtout les Pokémon légendaires qui normalement sont soit très longs à chasser, soit il faut un événement, soit il faut un code AR. Soit il faut une Acrom, soit il faut une version particulière, et ben tout ça, grâce au glitch au grenat, on n'en a plus besoin. On peut directement les chasser avec quelques versions et en ayant un petit tutoriel fait, bon voilà, par Metacry, pour vous expliquer comment ça marche et ce qu'il faut faire pour pouvoir faire une de ces recherches, par exemple, chasser Jirachi sur troisième génération ou Celebi. En gros c'est ça. Ou bien Mew, Deoxys, ou Ho-Oh, Lugia, si vous n'avez pas de code AR, ou bien. Genre un vieux copain qui aurait la version à japonaise, qui ont reçu l'événement au Japon, machin, machin, bulle. Voilà. C'est faisable et on va le faire. Alors, il y a tout un fichier texte qui explique en détail tout ce qu'il faut faire et surtout tout ce qu'il ne faut pas faire, ainsi que les préparatifs. Donc, bon, il est un peu long, j'en suis désolé, mais voilà, je voulais vraiment que tout le monde, enfin, la moindre personne qui soit motivée à faire cette recherche, puisse la faire, du moment qu'elle le matériel nécessaire. Et qu'elle n'ait aucun problème quand elle fasse la chose, parce que bon, c'est un glitch, mais voilà, qu'elle ait aucun souci et qu'elle en chie pas, quoi. C'était vraiment le but. Donc c'est sûr que c'est un peu long, mais si vous suivez tout correctement, il y aura aucun souci. Voilà. Alors du coup, j'ai déjà un peu fait les préparatifs, donc je vais aller un petit peu vite, mais voilà, c'est pour vous montrer les choses, surtout ça qui est important. Vous avez besoin d'une version émeraude et d'une version Groucho ou Werfeuille. La version émeraude, c'est pour réaliser le bug Labegona, parce qu'on ne peut le faire que sur émeraude, sur troisième génération. Et la version Groucho Werfeuille, c'est là qu'on va faire le glitch. Il vous faudra aussi de quoi échanger entre les deux versions afin de transférer un Pokémon d'Emerald vers Rougefeu ou Werfeuille. Donc ici, je suis sur émulateur, donc grâce à Visual Boy Advance Link, ce sera fait. Bon, comme j'ai un petit peu tout préparé, je vais d'abord vous présenter ce que j'ai fait sur Pokémon Rougefeu. Voilà. Donc je suis sur l'île 4, j'ai complété le rubis et le saphir, j'ai rendu le rubis et le saphir à Sablo, donc je peux échanger avec Emerald. Et. J'ai vidé les boîtes 1 et 2 de mon PC, voilà, il n'y a pas de Pokémon, ainsi que la place 1, boîte 3, voilà, la boîte 3, place 1, on va dire plutôt, j'ai pas de Pokémon non plus. J'ai récupéré 3 Pokémon en particulier, qui sont, pardon, ah, j'ai capturé un Métamore sauvage, voilà, un bête Métamore sauvage, et j'ai récupéré 2 Pokémon par échange, qui sont Canartichaud, à Carmin-sur-Mer contre un Piafabec, et Electrode, à Cramoisil contre un Raichu. Alors, Electrode, c'est très simple. Vous le prenez, vous le placez, boîte 1, place 2. Vous le placez ici, vous n'y touchez plus. Point. C'est tout. C'est fait. Voilà. Pour Canartichaud, il va falloir lui donner des EV PV et attaques particuliers. Donc, pour ça, déjà, il faut que votre Canartichaud, il est de base 0 EV PV, 0 EV attaque. Sinon, vous allez vous rater. Donc, si jamais vous avez fait des combats avec, sans faire exprès, vous l'échangez sur Emerald, vous lui donnez des EV Grenat et Alga, afin de faire tomber ses EV PV et attaques à 0, et vous le reprenez, afin de justement bah, de pouvoir continuer, de pouvoir augmenter ses EV PV et attaques, afin qu'ils aient une répartition très particulière, qui va dépendre du Pokémon que vous voulez chasser. Donc là, on va choisir un Pokémon à chasser. Bon, entre guillemets, en gros, ce sera Jirachi, Celebi, Mew ou Deoxys. Moi, je choisis Mew. Voilà, je choisis Mew. Donc, je vais sur la page de Bulbapedia, qui m'indique l'identifiant 3ème génération de Mew, parce que j'ai besoin de cet identifiant. Donc, je récupère l'identifiant 3ème génération de Mew, qui est 151. C'est pas le numéro du Pokédex, attention, parce que par exemple, pour Jirachi, l'identifiant 3ème génération de Jirachi, c'est 409. C'est en fait le numéro, l'identifiant dont se sert le jeu pour indexer les Pokémon, et là, Jirachi, il est représenté par le numéro 409. Ici, moi, j'ai mon identifiant de 151 pour Mew. Ce que je vais faire, je vais faire la division euclidienne de 151 par 256. Ne me demandez pas pourquoi, ce serait trop long à expliquer, alors vous le faites, s'il vous plaît. Faites-le. Voilà. Il y a une page exprès pour ça, où vous avez une calculatrice, la calculatrice Windows, où vous le faites à la main. Vous faites la division euclidienne de votre identifiant 3G par 256, et vous notez le résultat, c'est-à-dire le quotient et le reste. Donc, si je note ça sur un fichier texte, voilà, on n'est pas ça. Je veux Mew. Identifiant 3G, 151. J'applique la division euclidienne, qui me donne un quotient de 0 et un reste de 151. Au niveau de la répartition des EV de Canartichaud, cela veut dire que je vais devoir lui donner 0 EV attaque et 151 EV PV. Voilà.
si je voulais faire Jirachi, comme vous l'avez peut-être vu, identifiant 409, la division qui ça me donne un quotient de 1, reste de 153, d'où 1 EV attaque à donner et 153 VP à donner à Kanartichaud si je veux Jirachi. Alors, cette étape, elle est super importante, parce que si vous ne donnez pas les bons EV attaque et les bons EPV, au final, vous n'aurez pas le bon Pokémon. Donc, il faut vraiment que vous fassiez gaffe à bien partir de 0 PV, 0 EV PV, 0 EP attaque, puis d'entraîner votre Pokémon de façon à compter ses EV à chaque fois pour ne pas vous planter et atteindre la répartition d'EV désirée. Au niveau des combats, pour les EV attaque, il y a Rakaiou et Machoke qui donnent chacun 1 EV attaque. Et pour les EV PV, vous avez les PV+, 10 EV PV chacun, c'est gratuit et ça mange pas de pain. Et vous avez... Alors, sur Rouge-Feu, vous avez des Axoloto, qui donnent 1 EV PV chacun, qui sont sur l'île 4. Et sur Vert-Feuille, vous avez des Marill, qui donnent 2 EV PV chacun, qui sont sur l'île 4, qui sont à la place d'Axoloto. Et des Insolourdo, qui sont sur l'île 3, le port île 3, et qui sont à 100%, mais qui sont un peu rares. Mais voilà. Donc, par exemple, pour Canartichaud, si je veux faire Mew, je vais lui donner 10 PV+, puis combattre 51 Axoloto sur Rouge-Feu, ou bien 10 PV+, combattre 25 Marill et combattre un Solourdo sur Vert-Feuille. Voilà. Donc ça, c'est pas très dur, c'est des Pokémon qui sont très simples à combattre et qui sont très fréquents, donc vous n'aurez pas de soucis au niveau des EV. Il faut juste bien compter le nombre de Pokémon que vous dégommez avec Canartichaud. C'est tout. Comme preuve de ma bonne foi et que j'ai bien entraîné mon Pokémon, voici un script, c'est une petite application qui se lance sur mon ordinateur, qui me sort les données du jeu et qui me les affiche de manière du jeu, qui m'indique ici que j'ai fait les EV de mon Canartichaud, et vous voyez bien, j'ai bien 151 EV PV et 0 EV attaque. Donc mon Canartichaud, je l'ai bien entraîné pour avoir mieux. Donc j'ai bien suivi ce qu'a dit Metarcry. Donc si Metarcry l'a dit et après, étant donné qu'il a dû faire des recherches dessus, il doit avoir raison, donc ça devrait marcher. Merci bien, je me fais une auto-congratulation. Une fois que j'ai mon Canartichaud qui est entraîné, je vais à la pension. Et je vais déposer Métamorphe et Garcio. Donc je commence par déposer Métamorphe. On dépose Métamorphe en premier, c'est très très important. Il faut que Canartichaud soit en deuxième position. Il faut déposer Métamorphe en premier, Canartichaud en second. Je les dépose, voilà. Puis, je pédale dehors afin qu'ils aient un œuf. Donc voilà, je pédale à fond la caisse, voilà. Et j'attends jusqu'à ce qu'ils aient un œuf. Donc là, voilà. Je sais pas si je vais attendre jusqu'au bout parce que ça peut être long, hein. Vous savez, les œufs, la vie, tout ça, c'est... Si, ça va me reposer la voix, je vais le faire. Voilà. Alors, ou j'ai pas de chance, quoi que ce soit, attendez. Petite donnée du jeu, petite donnée... C'est bon, j'ai un œuf. Ouh, j'ai un œuf. Voilà. J'ai un œuf, le vieux s'avance, je ne prends pas cet œuf. Donc je ne vais pas parler au vieux, parce que sinon je vais le perdre. Et je sauvegarde, voilà. Il ne faut pas prendre l'œuf. Je sauvegarde. Et maintenant, je passe sur Pokémon Emerald afin d'utiliser, de me faire un petit peu de bug la Begona. J'en ai besoin. Donc ce que je vais faire sur Emerald, version sur laquelle déjà j'ai fini le jeu, je vais récupérer les Pokémon avec lesquels j'ai fait l'aventure, ou bien les Pokémon au niveau que j'aurais capturé, Pilier Céleste, Route Victoire, Grand Artisan, Voie du Désert. J'achète des PV+, voilà, j'achète un petit peu de PV+, je sauvegarde un coup, et je vais donner des PV+, à mes Pokémon, afin de trouver un Pokémon qui va gagner au moins 2 PV grâce à un seul PV+. Voilà, il faut vraiment ça. Il faut vraiment que le Pokémon gagne au moins 2 PV grâce à un seul PV+. Ici, j'ai mon Branette qui s'appelle Grenat pour une raison très simple, parce qu'il marche pour le bug de la Begona. C'est-à-dire, ici, il est fait pour tout ce que je veux. Il me fait tout ce que je veux. Donc, je lui donne un PV+, et vous le voyez, il a gagné 2 PV. Donc, Branette marche. Une fois que vous avez trouvé votre Pokémon qui répond à ces critères, qui gagne 2 PV au moins avec un seul PV+, vous allez faire des combats et vous le faites tomber à 1 PV. Alors, pour ça, en général, vous allez l'empoisonner contre un Tadmorph, contre un Smogo, un Chenipot ou un Misterb. Vous l'empoisonnez, vous patientez pendant le combat, puis vous marchez jusqu'à vous trouver à 1 PV exactement. Ici, je vais le faire à la main, enfin à la main en modifiant les données du jeu. Branette est à 1 PV. Une fois que Branette est à 1 PV, je lui donne une Begrona. On trouve route 119, route 123, ou bien que le maître DB peut vous donner aléatoirement chaque jour, ou sa femme, voilà. Bon, c'est le bug de la Begrona, donc en même temps, faut bien lui donner une Begrona à un moment, quoi, sinon ça s'appellerait pas comme ça. Je donne une Begrona, et là, justement, les PV de mon Pokémon
sont descendus d'une manière non théoriquement, enfin non normalement possible, c'est-à-dire mon Pokémon a des PV qui sont soit de 0, je l'ai fait tomber KO d'une manière non conventionnelle, soit juste soit très très grands, qui sont, c'est-à-dire les PV en fait maximum, la valeur maximale qui est normalement en dessous de 0. Enfin, ces PV sont tombés ici en dessous de 0, et pour le jeu, en dessous de 0, ça veut dire une valeur très élevée parce que les PV sont toujours une valeur positive. Mon Brennet ici a 65 535 PV. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y ait plus de PV que de PV max. Une fois que j'ai ce Brennet là, je sauvegarde un petit coup, voilà. Et je vais échanger ce Brennet, enfin ce Pokémon, sur Roucheverfeuille. Donc ici, pour vous passer un petit peu l'échange, je vais récupérer un Pokémon du PC, et pareil, je vais modifier ses PV afin qu'il en ait 65 535. Donc je prends mon E9, Shiny, bon, on s'en fout. Alors, non, tu passes. Alors, adresse des PV, voilà, c'est là, 4... Ne faites pas attention à ce que je fais, hein, ne faites pas attention, c'est rien. Ah, ma souris bug. Voilà. Oui, les aléas du direct, vous savez, les aléas de l'enregistrement, c'est pas grave. Alors, je prends mon E9, je lui mets 65 535 PV. C'est très dur à dire, mais je dois le dire à chaque fois. Merci, YouTube. Voilà. Donc j'ai récupéré mon Pokémon par échange qui avait 65 535 PV. C'est bien. Maintenant, je construis une équipe de cette forme, c'est-à-dire un Pokémon avec Surf, un Pokémon avec Vol, un Pokémon qui sert à rien, un Pokémon banal, et mon Pokémon avec 0.35 PV. On va l'appeler comme ça parce que c'est plus rapide. Je prends cette équipe-là. Vraiment, prenez cette équipe-là. Vous faites ça. Voilà. Vous faites ça. Je vous le dis, vous faites ça. Ensuite, vous allez faire des combats. Vous allez faire des combats sauvages afin de faire tomber KO les trois premiers Pokémon. Donc Staros, Roucoule et Ossature, je vais faire tomber KO. Donc, je vais prendre mes valeurs. Staros, PV de Staros 0, PV de Roucoule 0, PV de Ossature 0. Voilà. Vous faites pas. Vous modifiez votre équipe afin d'arriver dans cette configuration-là. 3 Pokémon KO, un avec Surf, un avec Vol pour pouvoir vous déplacer, un inutile, et votre Pokémon avec 65 535 PV. Une fois que vous êtes dans cette configuration-là, vous sauvegardez. Vraiment, sauvegarder ici, c'est très très important parce que c'est la dernière sauvegarde que vous pouvez faire avant de réaliser le glitch. Il faut pas sauvegarder après si je ne vous le dis pas. Donc, vous sauvegardez ici, là, maintenant, tout de suite, et après vous ne sauvegardez plus. Maintenant que c'est fait, voici ce que vous allez faire et peut-être probablement refaire plusieurs fois. Alors, on fait un combat sauvage. Alors, on surfe. Blablabla. Voilà. On surfe. On fait un combat sauvage. Et on fuit. Donc, je vais fuir avec une Poképoupée. Parce que je suis pas sûr de fuir. Et parce qu'il y en aura aussi besoin après. Donc, faut acheter des Poképoupées. Ce qui s'est passé, c'est que le jeu s'est souvenu que le dernier Pokémon combattu, c'était le Pokémon, le dernier Pokémon qui a apparu au combat. C'est le Pokémon en 4e position. Voilà. Maintenant, je vais au PC. Voilà. Et je vais déposer le Pokémon inutile. D'où son nom de Pokémon inutile. Parce qu'en fait, je vais le déposer, il ne m'aura servi à rien. En fait, si à faire le glitch. Ensuite, j'utilise de quoi me soigner, donc une guérison. Voilà. Et je rends des PV à mon Pokémon avec 0.35 PV. Vous voyez qu'au lieu de remonter full vie, il tombe à 0 PV, il tombe KO. Donc là, j'ai réalisé un bug de la Begrena complet. J'ai mis toute mon équipe KO. Ensuite, je repars faire un combat sauvage. Voilà. Je refais un combat sauvage. Et là, oh! Le jeu envoie un Pokémon, le Pokémon qui est appelé en fait Décamarc en anglais, mais en fait un Pokémon qui constitue que de 0. Il a essayé d'envoyer les données du Pokémon en 4e position dans l'équipe. Mais comme il n'y en a pas, il a interprété tous les 0 qu'il y avait comme un Pokémon. D'où tous les 0. Ici, vous ne regardez pas vos attaques. Vous ne regardez pas vos attaques. Vous allez directement dans le menu Pokémon. Voilà. Vous appuyez sur. Alors c'est vous appuyez sur haut. Merde, raté. Vous appuyez sur bas. Voilà. Vous appuyez sur bas. Vous regardez le résumé du Staros. Voilà. Vous appuyez sur B. Puis vous appuyez 87 fois sur haut exactement. Donc on y va, on appuie 87 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'appuie 87 fois sur O. Et j'appuie sur B. Voilà. Alors, je suis allé assez vite sur les choses, mais il faut faire ça. Ensuite, vous allez dans le sac et vous utilisez une Poképoupée. On ne fuit pas, sinon vous êtes déclaré hors jeu, et c'est moche, et vous serez soigné.
utiliser une Poképoupée afin de fuir, de ne pas être déclaré hors-jeu et de garder une équipe de Pokémon avec de Pokémon qui soient KO. Une fois que vous avez fui, vous retournez au PC et vous regardez le statut d'Electrode. Vous voyez ici, Electrode est devenu en fait un mauvais œuf, il a été corrompu. Donc c'est pas bon. Vous devez refaire cette pratique, resetter en fait. Si Electrode n'est pas bon, n'est pas de la forme que je vais vous montrer après, vous resetez et vous reprenez de là où de la sauvegarde, de là où je vous dis donc faire un combat pour faire apparaître un œuf, fuir, stocker le Pokémon, faire tomber le Pokémon KO, refaire un combat, appuyer 85 fois, etc., etc. Voici une sauvegarde sur laquelle Electrode va être bien corrompu. Donc je vais refaire la corruption de Bambouzu et Bailly. Donc résumé, B. Je vous montre un petit peu la méthode que j'utilise pour appuyer 87 fois sur O et qui marche assez bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me suis planté. Excusez-moi, c'est les allées directes. Je suis désolé. Mais je voulais vous montrer une méthode qui permet d'appuyer 87 fois sur O sans perdre trop de temps. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça y est, je l'ai fait. Alors, je vais quand même regarder si j'ai bien fait les choses, hein, parce que on n'est jamais à l'abri d'une petite bourde. Poum, tout est bien fait, Metakai a réussi. Voilà. J'utilise ma Poképoupée. Voilà, je fuis. Là, je retourne au PC, comme à chacune de mes autres fois. Et je regarde... Merde. Ah oui, c'est vrai, il était là cette fois-ci. Je regarde mon Electrode. Vous le voyez, il a gagné 2 symboles. Il a gagné le marquage rond et triangle. Alors normalement, en fait, l'Electrode, il sera là. Ne faites pas gaffe aux autres Pokémon, c'est parce que j'ai accepté que t'es vieille et que j'ai pas eu le temps de tout faire, en fait. Je suis désolé. Normalement, vous aurez cette composition-là, c'est-à-dire Electrode gagne 2 marquages exactement. Si Electrode gagne ces 2 marquages, c'est bon. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Donc vous voyez ici ma méthode de 87 appuis. Déjà, c'est assez rapide, puis ça marche bien. Maintenant que Electrode a gagné 2 marquages, vous sauvegardez. Parce que vous avez réussi. Voilà, bravo, vous avez réussi. En fait, voilà, c'est bon. Dire que maintenant, je peux récupérer le Pokémon du gérant de la pension, voilà. Et puis, je peux aller faire un combat, voilà. Et comme le Pokémon est en 4ème position dans l'équipe, et que toute mon équipe est KO, eh bien le jeu va afficher les données du dernier Pokémon combattu, qui s'avère être le 4ème Pokémon de l'équipe. Et ici... Oh mon dieu! Un Jirachi dans un œuf! Incroyable! Qui l'aurait cru? Alors, oui, je sais, j'ai un petit peu mélangé mes save states, c'est un Jirachi et non pas un Mew, comme vous l'auriez pensé, parce que je chasse Jirachi. Mais voilà. Ici, vous l'avez vu, Jirachi n'était pas shiny, donc normalement, je suis censé resetter, voilà. Pop, pop, je reviens devant la pension, je récupère l'œuf à nouveau, parce que le caractère shiny de l'œuf n'est généré totalement que lorsqu'on récupère l'œuf. Alors, une fois que je reset, en fait, il faut le mettre en première position. Sinon, il n'apparaîtra en premier au combat. Voilà, non, en première position. Je fais un combat sauvage. Et j'ai Jirachi qui apparaît. Voilà. Alors, ici, comme je fais un combat contre un Pokémon sauvage, c'est pas très très intéressant, parce que j'ai le Pokémon sauvage peut tomber shiny. Donc, ce que je fais, je récupère l'œuf. Voilà. Je le mets en première position. Puis, je vais combattre un dresseur. Alors, les dresseurs qui sont les plus facilement accessibles, il y a... Le plus rapide, c'est l'île 7, voilà. Le dresseur à l'île 7, très rapidement, très facilement accessible, c'est celle-là. Cette fille-là est très, très facilement accessible sur l'île 7. Il y en a une en dessous, il y a une fille en dessous à l'île 7 qui sont très facilement accessibles. Il y a un dresseur à l'île 6 aussi qui est très rapidement accessible, qui est là, voilà. Oum. Sur l'île 5, vous avez une artiste qui est très facilement accessible. Sinon, vous avez Carmin-sur-Mer avec la route 9 où il y a des dresseurs. Donc là, vous allez faire un combat, voilà. Ah non, je l'ai combattu déjà, combattu, mince. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai pas combattu? Voilà. Vous allez faire un combat. Et là, voilà, vous voyez le contenu de votre œuf, et le Pokémon adverse ne peut pas être shiny. Donc, vous pouvez voir le contenu de votre œuf, qui est déjà un œuf de Jirachi de série B, et, sans avoir à le faire éclore, parce que déjà, un œuf de Pokémon légendaire, c'est très très long à faire éclore, et s'il n'est pas shiny, vous resetez, et vous pouvez reprendre devant votre œuf. Alors, ce qui est très pratique, c'est que, voilà, votre recherche, en fait, elle est posée, c'est-à-dire que, tant que vous ne touchez pas l'œuf à la pension, vous êtes bon.
Par contre, pour voir le résumé du Pokémon dans l'équipe, vous avez besoin en fait d'avoir une équipe de Pokémon KO. Ici, j'ai pris 3 Pokémon KO dans mon équipe, mais il y a moyen de réduire ça. Alors, en fait, il y a moyen de briser le bug de la Begonia, c'est-à-dire par exemple, si je soigne mon Staros, voilà, je peux le soigner, je peux aller vaquer à d'autres occupations. Si jamais je soignais mon équipe, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je reprenne ma version Emerald, que je refasse le coût du Pokémon à 65 105 PV, que je le rééchange sur ma version Roche-Terre Feuille, voilà. Donc on va supposer que je refais ça, on va supposer que je récupère à nouveau un Pokémon à 65 105 PV, voilà. Je le récupère à nouveau, puis, voilà. Une fois que je récupère en fait à nouveau mon Pokémon avec 65 535 PV, pardonnez-moi de ma mauvaise prononciation, voilà. Touk. Voilà. Donc, je lui mets le nombre d'effets qu'il faut. En fait, une fois que vous avez votre œuf qui est tout prêt, etc., si vous voulez le chasser de la manière optimale, vous récupérez un Pokémon avec 65 535 PV, vous le laissez tout seul dans l'équipe. Bon, vous faites... normalement, il n'y a pas besoin d'utiliser Surf ou Vol pour aller accéder au dresseur qu'on va combattre. Donc, un Pokémon tout seul, ça suffit. Vous le soignez, voilà, comme j'ai fait tout à l'heure. Et du coup, vous avez un bug la Begrona qui est fait avec un seul Pokémon dans l'équipe. Alors, c'est plus pratique en fait parce que lorsque vous récupérez l'œuf, voilà, c'est plus rapide d'échanger cet œuf avec un seul Pokémon que s'il y en a trois. Voilà, c'est juste une question de côté pratique. Voilà. Et justement, si vous ne chassiez pas de Pokémon légendaire, la stratégie adoptée quand on ne chasse pas de Pokémon légendaire, c'est ça. En fait, ce que je viens de vous montrer pour la fin de la vidéo marche aussi si le Pokémon n'est pas un légendaire. C'est-à-dire, si jamais vous avez une chasse à la pension, sur Rouge Vert Feuille ou sur Ruby Saphir, eh bien, il vous suffit juste d'avoir une équipe avec un seul Pokémon avec 65 535 PV, que l'on récupère grâce à Emerald. Merci Emerald. Voilà. On lui donne une petite guérison, et on est bon, c'est-à-dire, et on a une équipe constituée de Pokémon KO. Une fois que vous avez une équipe de Pokémon KO, vous pouvez utiliser le bug de la Begrona pour connaître le contenu de votre œuf. Et en faisant un combat contre un dresseur ou un combat sauvage, je vous recommande le combat contre un dresseur, voilà. Vous pouvez connaître le contenu de votre œuf et du coup chasser tranquillement le Pokémon qu'il y a dans l'œuf. Voilà. Donc c'était la chasse au Kichugrona, voilà. La chasse à l'œuf améliorée de Metarcry, et que là je pense que ce sera assez facilement réalisable. Je suis désolé, je sais pas trop quoi dire pour la fin, donc voilà, je chasse personnellement, je fais Jirachi et Canarticho. Donc Canarticho sur Ruby et Jirachi sur la feuille. J'ai laissé un petit peu quelques détails un peu vagues sur la fin, mais tout sera mieux expliqué dans le fichier texte. Ne vous en faites pas, je voulais vous le montrer. Vous voyez, tout marche bien, j'ai bien des Jirachi. En plus j'en ai montré plein, si jamais j'aurais un Shiny, ça aurait été trop cool. Alors attention, si le Pokémon est Shiny, vous ne verrez que les étoiles. Donc le sprite ne changera pas parce que les couleurs du sprite sont glitchées, sont celles en fait de la palette de couleurs de l'œuf. Donc s'il est shiny, vous n'aurez que les étoiles. Donc montez le son à chaque fois que vous faites un combat, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater les étoiles. Voilà. Donc c'était la petite chasse à l'œuf améliorée de Metarcry avec le glitch de Grenat, le sur-glitch, le meilleur des glitchs des versions Pokémon. À bientôt.